Tout a commencé avec ça. On part en voiture du sud, on monte au col, puis hop, on part. On est parti du col, on était dans le brouillard. Mais alors, brouillard, les gens ils ont dit, je sais pas si on a bien fait de venir. J'ai dit, si, c'est bon, hein. Regardez la météo et tout. J'avais vu que le plafond était à 1000 mètres, Ah oui. 1200. Donc vous êtes passé par-dessus. Et non, il était un peu plus, là, il était à. Au début de matinée, était plutôt à 1600. Après, c'est redescendu, toi. Et on est parti dans le brouillard, on commençait à marcher. Et d'un seul coup, je voyais que ça commence à s'éclaircir comme ça. Je leur dis, vous allez voir, c'est gagné, mais quand vous allez le voir, c'est spectaculaire, parce que en l'espace de 2 minutes, vous allez être entre brouillard et ciel bleu. Et j'ai pas raté. D'un seul coup, soleil comme ça, qui dégage du nuage, quoi. Après, on est monté au-dessus. Toute la couche de mer de nuages en dessous. Toute la vallée on voit toute la vallée de Chambéry jusqu'à Albertville. Toutes les vallées. Ça faisait comme s'ils avaient rempli de neige jusqu'à 1000 mètres d'altitude, toi. Tout plat, parce que c'était blanc, hein, avec le soleil, tu sais, qui tape sur le nuage. Et oh, ils étaient. Puis alors, automatiquement, quand tu as un mer de nuages comme ça, au-dessus, tu as une luminosité. Mais Ça doit on être voyait trop Mont beau. Blanc, comme s'il était à côté, on voyait tous les sommets. Et oh, ils étaient contents. Alors que pour moi, c'est une petite balade dans le coin, mais il n'y a pas de petite. Ça n'existe pas, les petites balades insignifiantes pour moi. Tout est. Et ce parcours-là, ça faisait 4 fois que je le faisais de l'année, depuis le début de la saison. Tout par-delà, donc, de ces 3 jours de vacances que j'étais venu passer à tes côtés pour me reposer entre 2 stages de théâtre. Mais au lieu de me reposer, j'ai commencé à te filmer, de manière compulsive, désordonnée, et surtout, à ton insu. Pourquoi? Je n'en savais rien. Simplement pour filmer, sans but. Et puis un jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière ces images, quelque chose que je ne parvenais pas à saisir, mais qui me semblait essentiel. J'ai voulu faire un film, puis deux, puis trois, sur ta maison, tes travaux, tes outils, tes paysages. Cette fois, je t'ai demandé ta permission, tu as accepté, avec joie. Je n'avais pas compris encore, mais ces films allaient constituer ton portrait, à toi, mon grand-père, à toi, l'homme qui m'inspirait. Quelque chose chez toi d'insaisissable me semblait essentiel, et ce quelque chose, il fallait le découvrir. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours vu Dada bricoler. Tu bricolais, au sous-sol, dans une pièce à côté du garage, là où s'entassaient tout un tas de mots fantastiques. Les contreplaqués, sûr, gasoil, foreuse, raboteuse, fraiseuse. Tu ne bricolais pas aux yeux de tous. Tu n'acceptais que ma présence. J'étais petit, discret, silencieux. Je me fondais dans ton paysage. Aujourd'hui, tu es à la retraite et tu construis ta propre maison. Je t'ai toujours admiré, mais je n'ai jamais bricolé. J'ai d'ailleurs appris un tout autre métier que toi. Tu étais ouvrier métallurgiste et moi je suis acteur. Mais plus je grandis, plus je sens que quelque chose de très profond nous unit. Alors comme j'aime filmer, j'ai décidé de te filmer, toi, l'homme, mon grand-père. Pour cette première période, je viens avec mon ami Mohamed, que tu commences à bien connaître. Nous vivrons ensemble et nous parlerons de ce qui se trame dans ta vie. Dada.
Salut Dada. Ouais, salut. Ça va? Je te fais pas de bise parce que j'ai la crève. T'as la crève? Ouais. Depuis deux jours là, mais ça m'a pris d'un seul coup. Bon. Ça va se passer. Hein. Ça va se passer. C'est parti là? Ouais. Je te suis. Ouais. Ouais. Hein? J'ai mon matériel. Ouais. Du coup, tu savais que tu allais faire un gîte ici? Ah oui, je voulais faire un gîte. Ouais. Ouais. Tu voulais recevoir des gens? Ouais. Mmh. Ouais. C'était mon rêve depuis longtemps. Moi, avec mon rôle d'accompagnateur de randonnée, en fait, j'avais emmené les gens en rando où je louais des gîtes et puis on allait ensemble faire un petit séjour. Quoi, Et donc, dans ma tête, je me dis, si j'ai un jour quelque chose à moi, ça me plairait, quoi, en fait. Hein. Plutôt que d'aller chez les autres. Et finalement, quand j'ai eu ma retraite, j'ai dit, c'est le moment, maintenant, de le faire. Et tu as fait des belles rencontres en accueillant des gens que tu revois et que tu aimes beaucoup. Des rencontres, oui, j'ai fait des rencontres, pas mal de rencontres quand même. Hein. Mm. Il y a des gens qui reviennent tous les ans. Hein. Mais j'ai eu des Canadiens de Vancouver, j'ai eu des Belges, bon, c'est pas loin. Des Islandais, une fois, qui sont venus. C'est pas commun. Hein. Hein. Et je les ai même emmenés en montagne, ici, faire des balades en montagne. Et ils étaient contents parce qu'ils disent, la montagne à côté de l'Islande, là, c'est complètement différent ici, parce qu'il dit, il y a des arbres plein partout, chez eux ils n'en ont pas. Et il y a eu une fois des Israéliens, au tout début. Mais après, maintenant j'en ai quand même moins des étrangers. Les étrangers que j'avais accueillis, c'est les ouvriers qui venaient travailler sur des chantiers, des Roumains, des gens des pays de l'Est, hein. Des Polonais, des Roumains, des Tchèques, j'ai vu. Et des Portugais aussi. Et les Portugais, ils sont plus implantés en France, en fait. Hein. Et un vin doux comme ça, ouais. Tu bois ça avec des desserts, sauf je suis prêt. Ça, c'est hyper sucré. Ouais, c'est sucré. Et le dessert aussi. C'est mieux de faire ça? C'est mieux de faire avec du salé parce que... Ouais, ouais, ça crée un... Ton palais, il se... Mmh. Je suis d'accord. Le palais fait un contraste, il ne fait pas un mélange. Ça va bien ensemble, tu vois, quand même. Bah ouais, parce que justement, il est moins sucré. Je pense que celui-là seul, moi, c'est un vin qui serait trop sucré pour moi, par exemple. Mais là, accompagné ouais. avec ça, il passe très bien, quoi. Bah, trop bien, trop cool. Bon, bah, si vous voulez venir, on va aller là-bas, de l'autre côté. Voilà, la cage d'escalier. Donc là, il y a un... Hop. Tac, ça y est. Donc ici, ça va être les pièces que je vais aménager ici. Donc là, ça paraît impressionnant le boulot qu'il y a à faire, mais finalement, ça va pas être tant de travail que ça. J'ai déjà commencé à mettre les plaques en dessous là. Et ensuite, là, il y aura
l'escalier qui va descendre dans ma salle, dans ma pièce. Mais j'ouvrirai ça au printemps, quand à la belle saison, comme ça, il ne fera pas froid. Puis après, ben, pour l'hiver prochain, ça sera tout fermé, calfeutré et tout. Puis là, je vais mettre deux fenêtres, je vais faire deux chambres là, et puis une salle d'eau au fond. Donc, et après, ça sera pour nous là. Quand, ça sera pour qui du coup ? Hein, pour nous, bah, ce sera mon espace à moi, et puis je ne vais pas le louer, je vais pas louer des chambres ici. Hein, donc, Ce sera deux pièces. Ouais, je vais peut-être me faire ma chambre là, au lieu de quitter l'endroit où je suis, parce qu'il n'y a pas de fenêtre là, alors que là, il y aurait une fenêtre ici, si je me fais là ou là-bas. Tu ouvres la fenêtre le matin, c'est quand même mieux, quoi. Tu as déjà dessiné un plan de ça ? Hein ? Ou tu l'as dans ta tête ? Il l'a dans ma tête. Souvent, les plans sont dans ma tête. Je sais toujours d'avance ce que je vais faire. Et c'est curieux, c'est quand tu es habitué comme ça, moi, je vois je le vois fini dans ma tête. Je sais comment ça va être quand ça va être fini. Hein. La couleur et tout. Oh, les couleurs, j'ai rien, ça, les couleurs. Ben, j'étais dessinateur, moi, avant. Hein. Oui. Donc... mais pas dessinateur comme les dessinateurs actuels qui dessinent sur les ordinateurs. C'est l'ordinateur qui fait le dessin, en fait. Et moi, j'avais la planche à dessin, la grande planche, là, avec... on traçait sur les calques, hein, et tout. Hein, c'est tout on dessinait tout à la main, en fait, à l'époque. Donc le dessinateur, fallait qu'il, dans sa tête, qu'il pense comment il allait réaliser les plans. Maintenant, même les plans d'une maison ou d'une construction, il y a même des photos qui se font en virtuel. Ça n'existe pas, mais tu as des... Mais c'est presque comme un architecte, en fait. Ouais, oui. Ben voilà. Ouais, ouais. Mais à l'époque, dans le temps, les architectes, ils imaginaient tout comme ça, dans leur tête. On travaille moins avec nos têtes maintenant, hein, puisque les ordinateurs, ils remplacent tout, quoi, en fait. Hein. Mais bon, c'est l'évolution. Hein. C'est pas forcément un bien, parce que... disons que ça fait gagner du temps, c'est tout est là. Maintenant, il faut gagner du temps partout, alors... il faut aller vite partout. Moi, depuis que je suis en retraite, je n'avais pas envie d'aller vite, hein, parce que j'ai bien le temps de faire les choses. Hein. Ouais. Puis au moins, tu t'ennuies jamais, quoi, t'as toujours un truc à faire, du coup. Ouais, bah oui, je m'ennuie pas. Entre mon bricolage ici, et puis... La randonnée, et puis la danse et tout ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand je suis dans mon bricolage, là, quand je suis en train de construire quelque chose, je suis dedans, je ne suis pas ailleurs. Par contre, si je pars en rando, je suis en montagne, j'oublie le reste, quoi. Et à la danse, c'est pareil. Hein. C'est ça qui c'est bien, ça fait un bon équilibre dans son esprit. C'est qu'on n'est pas axé sur une seule chose. Et ça, moi, je trouve que c'est intéressant de faire comme ça. Hein. Même maintenant, il y a des gens qui devraient peut-être plus réagir comme ça dans notre époque moderne. C'est que c'est pas facile parce qu'au boulot, les gens, ils ont des pressions. C'est toujours, il faut produire plus, toujours plus, avec moins de monde. Et donc, on est un peu,
on n'a plus le cerveau qui travaille de la même façon. Donc, c'est dommage. Ouais, bon. Parce que justement, par exemple, par rapport à ce truc d'efficacité, le burn-out, tu vois, le burn-out. Ah ben, moi, ça n'existe pas dans le temps où je travaillais, moi. Ouais. Hein, ouais. Les gens, ils arrivent à un moment, ça déborde, et puis ça explose. Hein, ils arrivent à un moment, ça. C'est la cocotte minute, la soupape, plan fait pas. Hein. Il y en a de plus en plus maintenant des gens qui pètent les plombs, mais il y a une raison, mais bon, les entreprises, souvent, ils préfèrent pas en parler parce que les patrons, eux, c'est leur. Le chiffre d'affaires avant tout, hein, il n'y a que ça. Hein. Surtout que maintenant, en plus, c'est beaucoup plus géré par des multinationales où les actionnaires, ils ne voient que ce qu'ils leur rapportent à la fin de l'année comme dividende et puis c'est tout. Hein, le reste. Mais quand on est quand on arrive en retraite, c'est bien parce qu'on oublie. On oublie le moment où on travaillait, où on nous disait « bon, vous avez fait tant de production, il faut en faire plus l'année prochaine, encore plus, encore plus. » Moi maintenant, depuis que je suis là, j'oublie tout ça, quoi. Puis je me suis jamais fixé d'objectif en plus là, dire « je veux faire ça ». Quand je suis arrivé dans la maison là, disons, elle est immense cette maison avec la grange et tout. Si je veux aménager pas mal de choses là-dedans, mais ça me fait un boulot monstrueux, quoi. Et je ne me suis pas fixé vraiment rien du tout, quoi. Au début, je dis, oh ben j'aménage, et puis je voulais faire les gîtes. Hein, ça, c'était. Il faut le faire au moins un gîte. Et c'était mon truc, j'avais envie de faire ça. Mais jamais j'ai imaginé que j'allais construire ici, que j'allais faire tout ça. C'est venu au fur et à mesure, j'ai dit, oh ben oui, tiens, je vais faire ça, je vais m'y mettre, pourquoi pas. Est-ce que tu as évacué complètement la donnée temps ou la durée ou quelque chose qui... Non, oui, ouais, l'espace-temps est... Temps, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est bien de faire comme ça, quand on peut le faire, hein, quand on peut. Par là hier. Tu veux dire? Non, c'était ce matin ça. J'ai vu une barrière là, oui, ce matin. Ouais, c'est ici qu'on est venu ce matin. Alors là, on est dans les lacets jusque là-haut. Ouais, je me rappelle. Ça va m'entraîner un peu. J'ai déjà fait une fois. En fait. D'ailleurs, tu vois les lacets sur le. Tu vois l'ampleur des lacets dans le GPS? Ah oui? Ah oui, d'accord. Pas mal. Ah. Vas-y, repars là. On recule un peu. Après, s'il y a de la pente. Dans la derrière, là, moi. Pour l'instant, eh bien, on retrouve. Essaye. Ouais. Attends, pas, attends. Oui, je t'aime. Et lâche pas, hein, lâche pas. Accélère, hein. Accélère carrément, hein. Si tu montes dans la tête, machin. Aïe. Moi, je serais passé du premier coup, mais j'ai l'habitude. Eh, oui, je me suis.
on va s'arrêter là, à la chapelle là. Ouais. Parce que... Ici là. Il y a un parking à 150 mètres. Stop. Mais... Je vais non. Où je vais à... Parce que là, il y a une belle vue. Ah ouais. Sur les montagnes et tout. Alors, on va voir si nous en gêne pas. On va descendre un peu là. Il est là, le loup, oui. Ouais. Ah oui. Je voyais des pattes comme ça. Ah oui. Ah oui, il est souvent là. Il y a des... Oui, ils sont peut-être plusieurs, ouais. Oui, parce qu'il y a une bergerie qui est en bas. Ouais. On questionne autour des bergeries. Ah oui. Ouais. Ah oui, ils cherchent à... Ouais. Ouais. Enfin, pour l'instant, les moutons ne sont pas à l'extérieur. Non. Alors. Ils ont les chevreuils, les ouais, cerfs, ouais. Les... Ouais. L'autre jour, je disais ça, je dis mais maintenant, la nuit, on voit les renards qui traversent les villages. Ah oui, nous aussi, on a fait des renards. Oui, et même à La Rochette, il y en avait qui traversaient le village. J'ai dit, mais les loups, maintenant, ils vont bientôt venir manger dans les poubelles. Oui, puis quand ils n'auront plus rien à manger, ils attaqueront l'homme. Ben, ça, on ne sait pas. C'est nous, ça. Nous, on avait affaire à un capitaine de louveterie parce qu'on gardait les moutons d'un ami. Oui. À Val-Fréjus, et il nous disait, vous le verrez un jour, peut-être pas vous ou d'autres, mais le loup attaquera l'homme. Ils sont tellement domestiqués maintenant. Oui, c'est presque ça. Ouais. Ils n'ont pas peur de l'homme. Hein. Non, ils n'ont pas peur. Hein. Bon, on dit que s'il a la rage, il nous attaque, mais bon, s'il n'a plus rien à manger, il faudra bien qu'il mange quelque chose. Ouais, moi j'ai peur quand même, je vais pas trop loin, surtout l'hiver. Surtout avec le chien. Parce que les chiens, ils attaquent les chiens. Ah oui, oui. Et les chiens en ont peur. Ouais. Je dis surtout, il faut les ignorer complètement. Faut pas du tout les regarder, il faut marcher notre allure normale. Exactement, oui, il faut pas leur montrer qu'on a peur. Moi une fois, il y avait un bateau qui me suivait, il était juste derrière. Hein. Il commençait à aboyer et tout. J'ai continué, reparti après. Ça fait un peu de frisson, qu'est-ce qui va se passer, mais non. Moi aussi, la première fois que je les ai côtoyés, c'est pas tout, là, quand on est rentré dans cette... Enfin, aider ces gens-là, ils étaient 3-4, j'ai passé dans leur terrain, oula. Je me suis arrêtée, j'ai marché doucement, mais j'avais la truc. Parce que le patou, lui, si on lui fait... Il croit qu'on va l'attaquer. C'est quoi un patou exactement? C'est un chien des Pyrénées, vous savez, les gros chiens blancs. Ouais. Il s'appelle le berger des Pyrénées, normalement. C'est gros chien blanc, oui. Bah, c'est le chien du film, là, comment il s'appelle... Sébastien, c'est ça. Belle et Sébastien, oui, voilà, c'est ces chiens-là. C'est ça. Ouais. Voilà. Eh bien, bonne journée, madame. Nous, on va aller faire juste un petit tour comme ça. Continuez bien. Pour les promener en neige. Voilà. Quand on rencontre des gens comme ça, on ne dit pas qu'on fait un reportage, rien. Les gens ne s'imaginent pas. Il ne faut pas le dire, en fait, parce que sinon, il y a des gens qui ne vont pas être naturels. Là, si tu essaies de marcher à côté, tu t'en as jusqu'au moins au genou. Hein. C'est plus. T'apprécies toujours la vue là. On peut y revenir 10 fois, 20 fois. On a toujours ce. On est toujours pas impressionné, mais en admiration tout le temps. Tu t'en lasses jamais. Non, on voit plus clair dans les. En face, là, vous voyez, il y a trois sommets, là. Trois pointes. Juste là, à droite des bouleaux, des arbres, là. Ça fait trois pointes, là, c'est les aiguilles d'arbres. Et c'est des sommets qui font quand même 3500 mètres d'altitude, hein, là-bas. Tu les connais toutes, les
Ah, je connais beaucoup, oui. Ici, là, c'est la Lozière. Là où il y a les plus hauts sommets, il y a le grand pic qui est juste là, la pointe la plus haute. Grand pic de la Lozière, il fait 2800, autour de 2840-2850 mètres d'altitude. Et les aiguilles d'Arves, où j'étais l'autre jour en week-end, on était à Valois, et on était juste derrière ces sommets-là. Une vallée qui monte au col du Galibier, qui est bien connu par les coureurs du Tour de France. Là, toi, si tu veux refilmer aussi, Romain, les aiguilles d'arbres là en face. Là, c'est la Lozière, le massif de la Lozière. Il y a des sentiers pour y monter, mais ce côté-là, c'est très dur. Il faut aller plutôt au col de la Madeleine, qui est un peu sur le côté, et puis passer de l'autre côté pour que ça soit plus facile. Cette année, oui. 73, cette année en août. Ouais. Et donc, du coup, on se demandait, nous, à quoi tu rêvais à 25 ans, enfin, de quoi tu avais eu envie, qu'est-ce que tu imaginais à 25 ans. Alors, ça remonte loin. un peu à notre âge, c'est quoi tes rêves ou tes envies futures, si tu le sais. À 25 ans, ça correspond à quelle année, ça? 25 ans, toi, t'es né en 45, c'est ça? 46. 46, 71, ça doit être un an après la naissance de maman. Ouais, donc à l'époque, j'étais marié, et puis moi, à ce moment-là, j'avais pas encore la maison, parce que la maison, j'ai commencé en 73. Ah. J'espère que ça ne va pas me faire tousser pour l'enlever. Mon objectif, c'était de construire, acheter un terrain pour construire une maison, quoi, faire quelque chose. Parce que j'avais déjà eu le projet en 72. Ça s'est concrétisé en 73, où j'avais acheté un terrain dans un lotissement à Mavilliers. Et après, les travaux ont dû commencer vers 74, fin 74, par là, 75, quoi, maxi. Et en 76, je rentrais dans la maison. En mois d'août 76, je rentrais dans la maison. Et c'était pas fini, mais comme j'ai fait des travaux quand même pas mal moi-même, c'était pas fini, mais c'était habitable. Il y avait une salle de bain qui fonctionnait, la cuisine, les chambres qui étaient opérationnelles. Et en plus, c'était l'été, donc c'était pas trop compliqué. Il n'y avait pas de problème. Tu avais déjà envie de construire. Ouais, ah oui. Ça, tu l'as eu. C'est quoi? C'est parce que tu as fait ça quand tu étais gamin Non. Ah, je veux dire, c'est parce que tu as travaillé manuellement que tu t'es dit que tu avais envie de faire oui, ça. Oui, il y avait ça. Et puis en plus, moi, je voulais pas payer un loyer pour payer. Quoi. Dire, après, tout est. Quand on paye un loyer, on n'a pas de.
il ne nous reste rien une fois que c'est payé. Alors que quand on rembourse un remboursement de prêt pour un achat de maison, une fois qu'on a fini le remboursement, bah, la maison nous appartient, quoi, en fait. Hein. Et en faisant tous ces travaux, ces maisons que tu as construites, etc., est-ce que tu as eu la sensation à un moment donné d'abandonner certains rêves que peut-être tu n'as pas pu faire parce que du coup, tu as choisi de construire ta maison, d'être avec ta femme, tu sais. Peut-être, ça m'a après, ça s'est passé, hein. Il y a eu un moment, j'allais toujours au cours, mais en tant que professionnel, hein, pour faire un brevet professionnel. Et on était plusieurs qui travaillaient, on n'était plus à l'école en fait. Hein. Mmh. Et quand on allait au cours, les professeurs, ils avaient à peu près nos âges. Ah oui. Et ils nous disaient, oh là là, mais nous, on recrute du monde pour. On recrute des gens pour faire. Pour être prof. Mm. Parce qu'il en manquait. Et donc. Puis à l'époque, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont partis là-dedans parce que. Dans la démarche, il fallait accepter qu'on pouvait être muté dans une autre ville ou autre. Ouais, d'accord. Ça m'a gêné un petit peu, mais après, Monique à l'époque, elle dit, oh là, non, allez, moi j'ai mon boulot ici, on va pas s'en aller ailleurs. Bon. Et puis, bah non, je suis resté. du coup, ça me. Dans l'idée de. Du coup, de transmettre ce que tu voulais, transmettre ce que tu savais. J'ai toujours aimé transmettre, tout le temps. Parce que mes connaissances, j'ai toujours aimé les transmettre. Et il y a un endroit où tu as réussi à, du coup, à transmettre, que tu dis j'ai toujours aimé transmettre, du coup, tu les as transmis de quelle manière? Je veux dire, franchement, ouais. Où la transmission a le mieux marché, c'est récent, c'est maintenant, dans les cours qu'on donne au niveau c'est pour être animateur de randonnée, bénévole, hein, et donc il y a des formations, moi je fais partie de l'équipe de formation, et franchement quand on a des formations tous les ans, avec les gens qui sont avec nous, ils ont envie de réussir, quoi, pour avoir leur diplôme. Et nous, il n'y a pas que moi, hein. On a envie de vraiment transmettre nos savoir-faire. Mmh. Parce que autrement, dans le boulot, ça a été compliqué parce que il y a eu une période où où dans les entreprises, c'était des anciens qui montaient en grade, mais des très anciens, surtout qui avaient beaucoup de... ils avaient la parole facile, ces gens-là, et ils se servaient de ça pour s'en sortir en écrasant un peu les autres. Parce que c'était le moyen de s'en sortir. Et eux, je leur en veux pas, ces gens-là, parce que c'était ça où ils restaient au bas de l'échelle, complètement au bas de l'échelle. Alors que nous, les professionnels, on était au milieu de l'échelle. Et on est resté toute notre vie au milieu de l'échelle. Tous, hein, moi, je ne suis pas le seul. Hein. Alors que le mec qui était au bas de l'échelle et qui avait... l'ambition pour dire « j'enterre les autres pour pouvoir m'en sortir », il s'était beaucoup écouté par les directions des entreprises. Et puis ben, ces mecs-là, hop, ils devenaient contremaîtres, chefs d'atelier et tout ça. Ça a été très mauvais de fonctionner comme ça. Parce que toutes les entreprises qu'on fermait, c'est à cause d'une mauvaise gestion due à des gens qui n'étaient pas compétents pour gérer l'entreprise, finalement. Mais c'était le copain du copain qui était
Et nous, en tant que professionnels, on était un peu blasés de ça. On laissait tomber, quoi, finalement, parce que si on voulait se montrer, on disait, oui, bah toi, reste à ta place, t'es bien. J'en ai connu hein, des gens, même, pas uniquement que pour moi. Je me rappelle une fois, quand j'étais en bureau d'études, il y avait un gars qui avait été embauché par le chef du bureau d'études. Et ce gars-là, il était dessinateur-projeteur, c'est-à-dire il faisait des projets, il faisait plein de choses. En bas, il n'est pas resté longtemps. Parce que le chef de service, il a dit, « Oh là là, ce mec-là, faut pas que je le garde. Il risque un jour de prendre ma place. » Donc, ils ne l'ont pas gardé. Là, c'est ça l'exemple. Du coup, qu'est-ce que tu envisages pour cet endroit encore, pour ce lieu, à la fois en travaux, et puis même, qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne, ou qu'est-ce que tu veux ben, en travaux, si j'arrive à finir cet appartement, là, ce serait déjà bien. Mais après, je ferai surtout des modifications pour améliorer la qualité des appartements, quoi, en fait. Et c'est peut-être des petits trucs, quoi, des petites modifs. Mais un truc auquel je pense, je ne veux pas dire que ça m'inquiète, mais voilà, je trouve un moyen pour transmettre que quelqu'un d'autre prenne ma place. Ah, c'est de parler, ça va me... Ça va devenir difficile. Ça me pique la gorge. Tout à l'heure, je mangeais une cuillerée de miel. Ouais, je vais en reprendre un petit peu. Ça adoucit. Hein. Tu mêles le savoir. C'est vrai, on le sait. Tiens, bon. Je pense que... Ah, oui. Tiens, vite. Salut Dada. Non, ça c'est pas le verre. Hein? Ça c'est celui-là. À bientôt. Ouais. Rentre bien, bon retour. Toi aussi. Attention sur la route. Ouais. D'accord. Prenez garde à la fermeture automatique.
Nous te retrouvons à l'été 2019, en juin. C'est la première fois que je te demande de poser. Je tremble un peu. Aujourd'hui, tu nous emmènes à Dahudance, l'association de bal folk dont tu nous as tant parlé et que nous avons hâte de découvrir. Au programme de l'après-midi, quelques révisions pratiques et théoriques. Je suis curieux de te voir danser. C'est la première fois. Dada. Après ces 2 heures de révision, vous vous attablez quelques instants pour vous restaurer. Chacun et chacune aura pris le soin de préparer des tartes, des cakes, des gâteaux, car le cœur de vos réunions, c'est la convivialité. Les estomacs à peine remplis, voilà que les jambes commencent déjà à gigoter. Il est maintenant 16h, les danseurs sont prêts, les musiciens sont prêts, le bal peut commencer.
hop. Alors, non, non, hey, suivant, suivant. Et hop. Les danses s'enchaînent, et toi, tu enchaînes les danses. Tu sembles infatigable. Tu me confieras que parfois il t'arrive de rentrer de ces soirées au petit matin. Dans les balles fortes, c'est beaucoup les jeunes qui dansent. Faut pas se mettre avec eux. Ils comprennent aussi. Et comment il s'en sort, la Romain? Bravo! Tu l'as eu un moment. Ouais, tu l'as eu un moment. Pas au départ, c'est pas la fin. À part que quand tu lances les jambes, c'est que tu lances les horizontales. C'est faire. Et hop, fin du bal, retour à la maison, et au dodo. Comment ça se fait que tu connaisses autant de coins comme ça? Et que tu les as fait depuis que tu es arrivé ou... Ah, c'est depuis que je suis arrivé ici, oui. Parce que le secteur, je ne connaissais pas, là. Quand, avant d'arriver, de m'installer en Savoie. J'allais plus en Vanoise, là, ou dans les grands massifs. Que ici, en plus, c'était un massif qui est à découvrir, mais c'est joli, c'est sauvage. T'en vois les paysages en face, là. C'est vraiment... C'est vraiment super beau, quoi. Donc, le sommet qui est ici s'appelle les Grands Moulins. Donc, on peut y monter à pied. Il y a un sentier pour remonter. Il est culmine à 2500 mètres d'altitude. Et après, il y en a d'autres. Celui-là, c'est le... Alors, comment il s'appelle, celui-là? Je cherche... Là-bas, il y a le pic du Frêne, juste au ras des sapins à droite, là, qui fait 2800 mètres d'altitude. Et là, c'est le Grand Charnier. Je sais pas pourquoi. Ça ne veut rien dire, c'est pas un charnier, en fait. Hein. C'est un mot en patois qui... J'ai vu l'explication, je ne me souviens plus. Mais... Et là-haut, tu es venu skier, Romain? Ouais.
c'est le sommet du... Ben, le sommet, c'est là-haut, complètement, du collet d'Alva. Ah. Mais on est de l'autre côté, hein, c'est sur l'autre... on voit là, l'arrivée du télésiège, là, puis les pistes de descente du côté Préron. Hein. Et ils démarrent à quelle heure, les parapentes, là? Ben, là, ils attendent, je pense. Il y en a peut-être qui sont prêts à partir, là. On va monter un peu, parce que si on en voit décoller, c'est joli. Hein. Hein. De toute façon, c'est notre chemin. Donc... Il y en a un qui part. Là. Attention. Ah non, non, c'est pas bon. Ah, il y a le vent un peu de côté. Il faut qu'il démarre là-bas. Hein. Ah, hop, il y en a encore un là qui va me partir. Alors lui, ça va y aller. Voilà, il va y aller. Hop. Juste au-dessus. Tu vas essayer de partir là. On a bien fait de venir là, on a c'est ça un décollage. Quand même suffisamment de pente parce que faut pas qu'il retouche le sol avant que ça le soulève. Ils sont partis. T'as jamais vu décoller le parapente? Non, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Ah, j'ai déjà vu, je sais pas comment ils s'appellent, les avions. C'est ceux qui tiennent sur une barre. Ah, c'est les deltas. Delta plane. Ouais. Il y en a de moins en moins maintenant parce que le parapente, ça a supplanté le delta, c'est beaucoup moins contraignant à piloter. Là, ils montent, ils ont trouvé. Eux, ils sont partis d'ici. Hein. Et là, il y a des ascendants. Et c'est à cette heure-là, commence à, toi, à 4 heures d'après-midi, jusqu'à 6 heures, là, c'est.
Ah, je me dis, il y avait un peu. Il y a une source où il coule un peu d'eau. Hein. C'est l'eau de la source? Ah, oui. On croit que c'est du rosé, mais. Ah, il y a des commentaires sur le. Les gens, ils laissent une appréciation. Là, c'était le 2, bah, c'était ce matin. Des gens qui ont dormi là. Concert, silence et lumière, hier soir au coucher du soleil. Et les étoiles, qu'est-ce qu'elles ont brillé cette nuit? Cela faisait des années que je n'avais pas vu la Voie lactée. Nuit cosy au creux de toute cette belle intention, faite cabane. Merci pour tout. Enfin, c'est des gens qui sont signés l'or. Il y a plein de gens. Ouais, ils sont venus au mois de mai, au mois de mars même. Ouais. Le 28 avril, 28-04, ouais, c'est le 28 avril, arrivé ce samedi à 19h, il est tombé 15 cm de neige fraîche et ça continue. Le 3 mars. Disons, pour monter là au mois de mars, quand la route n'est pas dégagée, il faut du temps. Hein. Au mois de janvier. Hein, est-ce qu'il y a des gens qui ont passé le 1er janvier? Ouais, le 31-12. Il y a des gens qui viennent faire le réveillon ici. Il faut s'y prendre à l'avance parce que. Il y a du monde. Donc l'association qui a rénové, c'est une association, ils ne font que ça, des rénovations de refuges. C'est leur. Ils aiment ça. Hein. Ça s'appelle Tous à poil, mais le poil qui flambe en fait. Et je les ai vus l'an dernier quand ils étaient là en train de rénover. Ils ont repeint l'intérieur, ils ont tout refait. En haut, à l'étage, il y a des couchages avec des matelas tout neufs et tout, c'est super beau. Hein. Et le soir, faut venir à la chandelle, faut amener des bougies. Parce que tu allumes un feu, tu fais cuire à manger sur le poêle. Toi, t'en as jamais rénové des chalets? Non. Non, j'en ai pas rénové, mais bon, hein, c'est vrai que je peux pas tout faire. Ça m'aurait plu si j'avais vraiment du temps pour faire ça, quoi. Hein? Bon, c'est la rénovation de la maison, en fait. Hein? Mais c'est une belle chose, parce que tu viens, tu travailles avec les outils à main et tout, il n'y a pas l'électricité. Il y a des règles pour les chalets? Est-ce que, par exemple, il y a un nombre de nuits limitées ou... Non, ben ici, ce refuge-là, il est non gardé, c'est pas payant. Hein, donc, mais après, aux gens qui viennent là, on espère que. On touche du bois. J'espère que personne ne va venir dégrader, parce que des fois, c'est arrivé déjà, où il y a des dégradations. Et c'est dommage. Dommage, parce que c'est tellement joli, tellement beau, qu'on est bien là, ici, quoi. Et passer une nuit ici, c'est. Fabuleux. Hein. C'était quoi exactement ton métier? Mon métier, je travaillais dans le métier de métaux, métallurgie ça s'appelle. Travailler des métaux. Et ça n'a rien à voir avec le bois, hein. C'est complètement différent. Et donc. À la fin, enfin, on va dire les 15, au moins 15 dernières années, on travaillait l'usinage de l'aluminium. Et avant, je travaillais l'acier. Tu faisais quoi exactement? C'était quoi ton... On travaillait sur les machines. Alors, les machines pour travailler les métaux, il y a le tour, la fraiseuse,
Et puis après, il y a d'autres machines, des rectifieuses, c'est des petites meuleuses. Et on faisait des outils, de l'outillage pour travailler dans des usines sur des machines spécifiques. Et donc j'ai travaillé beaucoup d'années comme ça, pratiquement la majorité de ma vie. Et à un moment donné, j'étais dans un atelier qui faisait des prototypes. On créait des pièces pour nos clients manuellement. C'était des pièces unitaires ou quelques-unes qu'on usinait nous manuellement. Et après, on envoyait ça au client. Et s'il était d'accord, il disait, oh ben, il faut les passer en fabrication. Ou alors, des fois, il y avait des modifications. On en refaisait une autre, on modifiait. Et après, s'il donnait l'accord pour que ça passe en fabrication, c'était pas nous après, c'était un autre atelier, ça s'appelait un atelier d'outillage, qui fabriquait les outils spécifiques pour faire ces pièces-là en série, en fait. Et ça, j'ai bien aimé, parce qu'on était toujours en train de rechercher une méthode, parce que la pièce, c'était pas le tout de la faire, de la fabriquer pour répondre aux besoins du client. Il fallait qu'elle soit réalisable après avec les outillages. Donc il fallait connaître l'outillage. Et le fond, on lui disait, au client, on disait, ben non, on ne peut pas la réaliser comme ça, c'est pas possible, il faut modifier ça, ça et ça. Après, on refaisait une autre. Et puis, et quand ça passait en production, il y avait un atelier, cet atelier d'outillage qui fabriquait les outils de fabrication. Et ensuite, ça passait sur des machines, ça découpait, ça faisait plein de choses. En série, quoi. Et t'aimais bien ce boulot? Oui, c'est pour ça que, en fait, moi, chez moi, dans mes travaux, quand je commence quelque chose, je suis toujours en train de réfléchir la meilleure idée possible pour le faire, parce que c'était mon métier de rechercher toujours avant. Et donc, ça aide après. J'imagine. Et tu me disais, hier tu me disais que tes parents, enfin, ta maman, elle a couché de toi chez vous. Oui. Et elle t'a raconté comment ça se passait? Les parents, c'était pas des gens à raconter, en fait, ce genre de choses. Ils étaient très, très pudiques. Ouais. Il y avait, à l'époque, je sais qu'il y avait des sages-femmes qui se déplaçaient pour aller accoucher les femmes chez elles, en fait. Voilà. Ouais. Okay. Parce que vous êtes, tu fais partie d'une génération, l'une des dernières où on a couché, j'imagine. Ah oui, c'était les dernières. Ah, après, ils allaient dans les maternités. Et du coup, tu te souviens de... C'est quoi ton premier souvenir quand tu étais enfant? Tu t'en rappelles? Il y a des choses dont je me rappelle quand j'étais enfant. Vaguement, mais je me rappelle un peu. Il y avait une chèvre à la maison, j'étais toujours avec elle. Parce qu'une chèvre, c'est un petit peu un chien, hein, donc ouais. Ça suit partout. Et quand j'étais petit, j'avais quoi, 3 ans, 3, 4 ans. Et j'ai des vagues souvenirs de ces moments-là. T'avais donné un nom à cette chèvre? Oui, je ne me rappelle plus des noms, mais je me souviens. Et puis. Après, je me souviens quand on était enfant avec mes frères, parce qu'on était 4 en tout, où on allait se balader dans les bois, parce que c'était la plaine, c'est pas la montagne. Quand on n'avait pas les jours où on n'avait pas école, on partait des heures dans les bois, on fabriquait des cabanes perchées dans les arbres. On avait toujours
des idées en fait de vie dans la nature en fait. Hein. C'était pas mal, c'était une bonne. Les parents ils connaissaient pas la voie, ils n'avaient pas de voiture, ils connaissaient pas les supermarchés ou choses comme ça. L'épicier passait avec son camion une fois par semaine. Le boulanger, ça devait être deux fois, je crois. Et puis le boucher, une fois, la boucherie. Et les gens, mes parents, ils sortaient presque pas de la maison. Hein. Ils vivaient chez eux, quoi, en fait. Voilà, ben on va remonter là-haut. J'ai tous les outils là-haut, donc j'ai pas à y aller. J'ai pas de soucis. Peut-être faire un peu plus chaud. J'ai ventilé, mais quand même. Et voilà le chantier. Ça c'est les cartons qu'on avait retirés pour le matelas. Bon, allez, on va reprendre quelques outils. Attention à la tête là en passant. Voilà, alors depuis la dernière fois, qu'est-ce qu'il y avait comme. On n'avait pas. Il n'y avait pas encore les cloisons hein, pour l'instant, la dernière fois. Non. Même le fond n'était pas installé non plus là. Et donc là, actuellement, je suis. J'ai commencé à monter tous les panneaux là. Et je vais remettre une autre plaque devant. Là. Pour cloisonner tout ça. Et donc là, j'attends la livraison. Il faut en avoir d'autres. Et puis, donc ce côté-ci, là, je suis en train de travailler là. Ça, c'est les murs, c'est les parois extérieures, en fait. Et donc, je vais remplir tous les caissons avec de la laine de verre, comme ça, pour l'isolation. Hein. Et ensuite, je remets une plaque partout, plaque isolante pour vraiment faire la cloison et puis terminer tout ça. Quoi. Donc là, je vais démonter ces trucs-là. Attention de ne pas tomber. Et oui, voilà.
c'est celle-là après. Parti. Je préfère travailler seul. Je suis tellement habitué de travailler seul que ça ne me dérange pas. Et en plus, c'est vrai que dans certains cas, on ne peut pas. Hein. Quand on a besoin d'aide, il faut être à deux pour travailler. C'est pas facile. Hein. Mais tout ce que je peux faire seul, j'aime bien parce que. Et moi, j'ai remarqué une chose, même dans mon boulot, quand je travaillais. Il y a toujours quelqu'un qui pousse derrière en disant « Allez, allez, il faut se dépêcher, on n'a pas que ça à faire. » Et c'est bien que le travail il est moins bien fait. Et c'est bâclé parce que on prend pas le temps de faire le travail correctement. Alors qu'en étant seul... Puis en plus, l'avantage, quand je suis tout seul, des fois, je suis dans un après-midi, ici, dans mon chantier, puis... Je suis embêté sur un truc, je dis, mais là, je me demande comment je vais m'y prendre, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. J'arrête, je dis, bon, allez, je laisse tomber. Je vais me coucher, la nuit, je ne pense pas, hein, je pense à autre chose, je dors. Et le lendemain matin, je dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça hier? Et en fait, le cerveau, lui, il a le temps de d'oublier. Et puis quand il redémarre, il a des idées nouvelles, quoi. Et c'est ça, tu dois prendre du plaisir à trouver des solutions à ces problèmes. Ah ouais. Et aussi, je me dis, c'est quand tu dis que tu prends du plaisir, enfin que tu aimes faire ça, c'est quoi qui te fait plaisir? C'est quand c'est fini ou quand c'est justement ce que tu disais sur la précision, quand t'aimes bien que ce soit bien fait. C'est pas quand c'est fini, non. Ouais. C'est quand je suis en fabrication, en train d'installer, quand je suis en train de l'installer. Hein, et donc, non, quand c'est terminé, je suis content d'avoir réalisé ce que j'ai fait. Mais je suis encore plus content quand je suis en cours de construction. Parce que quand je suis ici, je ne suis pas ailleurs. Hein, la tête, elle n'est pas dans un autre domaine. Hein. Lorsqu'on part en randonnée, comme on a fait hier, hein, donc... Ma tête, elle est dans les montagnes, paysages. et c'est ça qui est bien, il faut séparer les choses. Et j'espère, parce que bon, ça prévient pas les maladies d'Alzheimer ou les gens qui ont le cerveau qui... Et ils ont constaté que, pas toujours, hein, mais que les gens qui ont, des fois qui sont en retraite ou même avant, qui a un cerveau qui ne travaille pas beaucoup, il y a des cellules qui se dégénèrent plus vite. Donc, si ça peut aider dans ce domaine. Toi, ça va, t'as pas peur de ça? Non, il faut pas avoir peur de... Il faut surtout pas, il ne faut pas vivre avec ça, hein, parce que sinon on ne vit pas. Il y a des gens, hein, quand ils arrivent en retraite, pour eux, c'est la... La fin de, pour moi, c'était la fin d'une activité travaillée pour une entreprise ou pour quelqu'un d'autre. C'était pas ma fin de vie, quoi, en fait. Hein, c'était, moi, je suis parti en retraite. Je me suis dit, je pars en retraite pour faire autre chose que ce que je réalisais quand j'étais en activité, quoi, en fait. Partir faire autre chose. Mais est-ce que pour toi il y a des choses qui sont finies? Tu parles de fin. Est-ce qu'il y a des choses je sais pas, je pense par exemple à l'amour. Est-ce que c'est par exemple c'est des choses où tu te dis ça c'est fini ou ça peut continuer autre Il y a des moments, il y a les deux. Les deux.
deux choses qui se mélangent, hein, en fait. Hein. Mais, hein, bon, pour l'instant, je suis tout seul, mais je ne sais pas. On ne sait pas comment la vie peut se transformer. Hein. Hein, et tu fermes pas les portes, quoi, tu dis pas. Non, non. Non, mais en plus, toi, dans une vie sentimentale, arrivé à un certain âge, tu n'as plus une famille à faire vivre, ou tu as les enfants et tout ça, c'est autre chose. Il ne faut surtout pas se retrouver avec quelqu'un qui va te prendre la tête, qui va être tout le temps en train de t'enquiquiner pour plein de choses. Et en réalité, si les deux partenaires ils choisissent en disant on se met ensemble pour le meilleur et en oubliant le pire, parce que le pire, il est peut-être derrière nous. Le pire maintenant qu'il peut y avoir, c'est une maladie. Mais la maladie, tant qu'on ne l'a pas, on n'y pense pas. Au contraire, on pense au meilleur. Voilà. Là, je te pose la question, parce que moi aussi, tu sais, là, bah, j'ai eu ma première relation amoureuse qui était très longue, qui a duré 4 ans. Là, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est à ces moments-là où tu te demandes, enfin, moi c'est la première hein, vraiment longue, où tu te demandes si ça va renaître, ça, ce truc, s'il va y avoir d'autres relations. Et si oui, est-ce qu'elles seront différentes? Est-ce que ce seront des choses que je vais retrouver? Et je me demande si à un bout d'un moment, ben, tu vois, tu t'arrêtes de te projeter. Ou pour moi, je dis que moi je connais, même dans les milieux donc on fréquente, que ce soit en randonnée ou dans le folk, il y a des gens qui sont seuls dans la vie et ils recherchent à tout prix quelqu'un, un partenaire. Que moi, non. Quand je vais au bal folk, c'est pour profiter, c'est danser, vivre la musique et puis les pas de danse, en fait. Maintenant, s'il y a une opportunité qui se présente un jour, on ne sait pas. Bon, ça peut arriver vite, hein, on n'en sait rien. J'ai déjà eu des gens qui ont des proches, assez proches, mais après, moi je force jamais les choses. Je ne veux jamais, à tout prix, non, si ça le fait, c'est bien. Mais ouais, ça doit se faire naturellement. Il faut que ça soit naturel. Et surtout après, quand on est avec quelqu'un, si on a trop de divergences, c'est pas bon, quoi. Et c'est vite fait. Ça va vite où on va se prendre la tête sur plein de sujets. Moi, je connais des gens qui sont en retraite maintenant, qui ont eu du mal à vivre la retraite finalement. Parce que quand ils travaillaient à deux, chacun de leur côté, ils se retrouvaient à la maison pour leur vie de la maison, mais en dehors, c'était au boulot. Et d'un seul coup, ils se retrouvent ensemble toute la journée, tous les jours et tout le temps, quoi. Jour et nuit, en fait. Et je ne veux pas critiquer les femmes, c'est les mecs, il y en a que c'est pareil. Hein. Et il y en a qui sont très maniaques, puis qui sont avec quelqu'un qui dit bon, hein, voilà, ça va bien. Eh bien, en général, ça se passe très mal, parce que il suffit de sortir quelque chose du placard, pas le passer sous le robinet, puis le re-ranger aussitôt, puis garder que le pot de fleurs sur la table. Y a des gens qui ne supportent pas ça, quoi. Et souvent, ils se chamaillent pour des conneries, quoi. C'est vraiment le mot, quoi. Et alors, ces gens-là, ils profitent pas de la vie, finalement. Ils profitent pas des choses, des belles choses, quoi. Ils ont que le... Surtout que la vie actuelle, maintenant, elle est quand même assez difficile. Parce que quand on voit, je ne vais pas en parler beaucoup parce que moi je ne vais pas me faire des polémiques sur sur l'intolérance. Mais quand on voit les intolérances qu'il y a partout, moi là, j'en ai eu une intolérance quand j'étais jeune. Hein, en fait, l'intolérance que j'ai subie, c'est le fait que je travaille de la main gauche. Parce que tu as vu la perceuse. Je suis gaucher. Et on m'a obligé à écrire de la main droite parce que on ne devait pas être gaucher. C'était interdit. Et ça fait partie d'une intolérance.
Maintenant, il y a beaucoup, on voit plus de gens qui écrivent de la main gauche. Pourquoi ? Parce qu'on les laisse faire. Et puis après, il y a eu toute cette intolérance, sans parler des intolérances religieuses, mais sur les gens qui sont homosexuels et tout ça. Il y en a eu énormément, et il y en a encore. Mais t'as l'impression qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins ? C'est différent, elles sont différentes. Mais il y a eu un moment, même encore maintenant, il y a des intolérances qui sont dues aussi à... aux médias, quoi. Parce que les médias, eux, c'est leur boulot. Hein. Ils font travailler, ils travaillent avec les faits divers et des choses comme ça. Et ça peut inciter d'autres personnes quand on regarde des faits divers et qu'on voit que des choses négatives, nous, dans notre tête, ça nous transforme en négatif aussi. Hein. Et quand on n'a pas le tempérament assez fort pour dire le négatif, je n'en veux pas, je me remets que sur le positif. Et donc, malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui... Et puis maintenant, la vie active, elle est difficile, plus que ce soit au travail ou ailleurs, hein, même à la maison, partout. Hein. Je trouve qu'il a beaucoup changé le monde depuis que toi tu le connais, la vie active. Ah ouais, énormément. C'est le modernisme qui a fait ça. On n'y peut rien, on ne peut pas aller contre. Hein, mais c'est l'ère de l'ordinateur. Quand on voit le gamin à 3 ans, il est déjà en train de manipuler devant un écran, et à 8 ans, il regarde que des choses négatives sur leur ordinateur ou sur leur tablette ou autre. Et ça incite à devenir négatif, quoi. Et violence aussi. Les jeux vidéo où on tire sur les autres pour dégommer, il y a des gamins qui sont faibles, qui vont, dans les écoles, partout, ils vont répéter ce qu'ils ont vu en étant violents avec leurs copains, avec les profs aussi. C'est comme si j'étais tout seul. Hein.
les oiseaux, quand ils arrivent et viennent sur une fourmilière comme ça, ils étalent leurs ailes et puis ils bougent les ailes comme ça. Les fourmis, ça les énerve. Et quand ils font du. Quand les fourmis sont dérangées, ils vont à toute vitesse et dégagent de l'acide. L'acide formique. Et cet acide, c'est un désinfectant pour les parasites qui sont dans les plumes des oiseaux. Ça tue les parasites qui sont dans les plumes des oiseaux. Moi, pareil, j'ai appris ça. Quelqu'un qui m'a raconté. Quand tu fais ça, tu vois. Elle a dit, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Elles ne sont pas contentes. Et si on pouvait mettre le nez au-dessus, ça sent fort. Elles sont le vinaigre, en fait. Hein. C'est un acide qui dégage. Hein. J'ai pas bougé beaucoup. Hein. Donc là, elles ne sont pas contentes. Et les oiseaux, quand ils viennent, c'est fait pareil. Et ils s'étalent les roselles là-dedans. Et après, bon, s'il y a des fourmis qui restent, ils se secouent, c'est fini. C'est marrant l'histoire des fourmis. On arrive à faire un gros plan. Je veux qu'on fasse un petit peu de. Il filme là, non? Mm-hmm. Ah oui. Non, parce que quand tu fais les photos avec le retardateur, tu voyant. Ouais, j'ai pas de voyant. Ah oui. On n'est pas bien là, c'est pas. Non. C'est pas terrible là, ici on n'est pas terriblement bien. Ah, ça manque de relief. Thank you.
un secret que tu avais enfoui dans une pièce à côté du garage, dans ton atelier, dans l'atelier de Dada. Là où s'entassaient tout un tas de mots fantastiques. Les contreplaqués, sciures, gasoil, foreuses, raboteuses, fraiseuses. Tu ne bricolais pas aux yeux de tous. Tu n'acceptais que ma présence. Tu étais petit, discret, silencieux. Je me fondais dans ton paysage. Je t'ai toujours admiré, mais je n'ai jamais essayé de te ressembler. J'ai jamais bricolé. J'ai d'ailleurs appris un tout autre métier que toi. Aujourd'hui, je suis acteur. Mais plus je grandis, plus je sens que quelque chose d'important se trame dans ces souvenirs. Alors, comme je ne filmais, j'ai décidé de te filmer, toi, l'homme, mon grand-père. Pour cette première période, je viens avec mon ami Mohamed, que tu commences à bien connaître. Nous parlerons ensemble de ce qui se trame dans ta vie et dans ton atelier. Dada, qu'est-ce que tu bricoles ? Oui, la première fois, j'étais de l'autre côté. Mmh. Ah. Je n'avais pas traversé. Ah, c'était encore l'hiver. Du coup sur voilà, un réglage technique avant de partir pour Dada à la rencontre, hein. Bon bah j'espère qu'on arrivera aujourd'hui parce que on n'est pas à l'abri. Bon, comme les deux voitures leur capot ne tiennent pas, donc évidemment tout seul c'est impossible à gérer cette affaire, donc bah tu veux que je t'aide quoi. Ouais, nous voici partis pour notre dernier voyage. C'est étrange pour nous de clore cette aventure entamée presque 3 ans auparavant. 3 ans qui auront vu nos vies être bouleversées par des événements inattendus. Une pandémie mondiale, un déménagement commun à Marseille, et une naissance. Car oui, toi, Mohamed, tu es devenu le père d'un petit Nour. Nous avons changé depuis le début de notre travail, mais nous l'aimons tellement que ça nous fait tout drôle de partir pour le finir. Comme un coup du sort, un lapsus du destin, une mésaventure se prépare. Nous ne le savons pas encore, ici, quand nous échangeons sur la technique de tournage que nous allons employer, mais nous allons perdre tous les rushs sons de la session. Est-ce nous qui ne voulons pas finir, ou est-ce la vie qui se débat ? J'ai décidé, après larmes et réflexions, de faire de ce coup du sort un axe de travail. Puisque les surprises et les erreurs ont guidé mes pas jusque-là, puisque ces films sont des objets d'apprentissage, qu'à cela ne tienne, je ferai avec. Salut Dada! Salut les voyageurs! Ça va? Ouais, j'ai dû faire des courses ce matin, puis ce soir on ressort. Donc, salut Romain! Tout va bien?
Ouais. Salut Dada, ça va? Allez. Tu vas bien? Je te fais. Je te fais une petite bise quand même. On est reparti. Ben, après, vous allez pouvoir prendre votre caméra aussi. Là. Ah, bah oui. Ouais, super. On va prendre les deux, on va utiliser les deux. Oui, on va raconter tout ça. Ah oui, oui, vous avez un programme sur on vous. A un plan d'attaque. Et moi, j'ai fait un plan d'attaque là-haut en cuisson. Parfait. En cuisson qui est. Et c'est tout prêt. Comme vous devez avoir faim. Flo, elle est là. Et vous attendez. Super. Tu peux prendre ce sac-là, d'abord ? Ouais. Le sac de mots. J'avais au moins 3 ans, peut-être bien plus. J'ai pas dormi une nuit à l'extérieur d'ici. Ah oui ? Ça fait 3 ans que t'as pas dormi une nuit à l'extérieur. Ailleurs, ouais. Ah ouais ? J'ai dû passer une nuit cet hiver chez Florence. Ah ! Parce qu'on rentrait... De balade en montagne en hiver. Et on arrivait, c'était déjà trop limite pour aller chez elle au niveau de là-dessus du couvre-feu. Mmh. Hein, et puis, ouais, ça compte. Pour revenir avec Belle, les flics sont tout le temps là-bas, elle y était. Si bien, j'ai dormi chez elle, je suis revenu le lendemain matin mais à cause du couvre-feu. Ça fait longtemps que tu utilises ton téléphone pour les. J'ai Romain qui me l'avait mis en. Qui me l'avait. Télécharger. C'est génial ce truc. Ça nous positionne exactement où on est, puis au fur et à mesure, il se déplace. Là. Voilà, on est là. On est ici, là, au croisement des chemins. Et le fort est juste là. Hop, il s'éteint. J'ai assez rapidement aimé la montagne. Tu penses qu'il y a quelque chose après la mort ? Bah, je sais pas. Non. Non, il n'y a rien ou non, tu sais pas ? J'ai pas de position là-dessus parce que j'ai... Ouais. T'as pas expérimenté. Ben, ah non, ben, on ne peut pas expérimenter après la mort. Après, c'est trop tard pour revenir. Mais non, c'est absolument pas. Et tu te poses la question ou tu la laisses Oui, bon, je la laisse. Et peut-être que c'est pas plus mal que ce soit un mystère, finalement. Pourquoi c'est pas plus mal parce qu'il y a trop de choses que le monde veut découvrir et puis. Découvrir trop de choses, c'est peut-être pas une bonne chose, quoi, en fait. Tu veux dire qu'il y a des choses qu'il vaut peut-être mieux ne pas savoir ? C'est ça, ouais. Et il y en a, tu sais, qui aimeraient être incinérés, jetés dans la mer, etc. Est-ce que tu as un rapport comme ça avec la montagne par rapport à toi, où tu te dirais, est-ce que ça te plairait, par exemple le jour où bah, tu seras plus là d'être enterré ou à la montagne ou pas forcément. Ouais, ou comme certains qui disent jeter les cendres. Ouais, bon. J'ai pas pensé à ça finalement. Il y en a qui se mettent ça vraiment dans leur tête parce que moi je me dis que pour moi ça n'a pas d'importance finalement. Ouais. Parce que tu seras plus là. Non. La seule chose donc, qui me, je ne vais pas dire que ça me tracasse, mais que je me pose des questions, c'est la maison que j'ai, et puis le commerce au niveau des gîtes et tout ça. Ça me plairait bien qu'il y ait quelqu'un qui le prenne à ma place, quoi. Donc, mais sans faire de forcing, parce que c'est pas bon de faire du forcing. Tu voudrais que ce soit quelqu'un que tu connais qui s'en occupe. La famille, quand même, c'est mieux. Surtout que ça peut se développer. Hein,
Là, moi, j'ai un hébergement où les gens ils viennent, ils font leur manger et tout. Hein. Mais quelqu'un qui veut faire un peu plus de chiffre d'affaires et qui est encore en activité, il peut faire de la cuisine et puis faire un plus, quoi, de la restauration sur place. Quoi, pour, C'est comme si toi, tu avais construit la première partie de quelque chose qui est encore à développer. Ah oui, de toute façon, et on peut toujours améliorer des choses, tout le temps. Et on peut toujours faire des choses supplémentaires. Et ça, c'est... Moi, je n'ai pas voulu, jamais voulu, parce que j'ai commencé à faire les travaux, j'étais en retraite déjà. Je me dis en retraite, je veux passer mon temps à faire des travaux, parce que j'aime ça, mais garder du temps libre pour aller faire mes activités de loisirs. C'est le but, parce que si tu es en retraite et puis que tu travailles plus que si tu es en activité, tu arrives à la fin de ta vie. Il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah bah oui, mais si j'avais su, j'aurais fait des choses avant. » Bah non, mais c'est trop tard après. Parce que du coup, tu avais cette idée-là depuis le début de te dire « Bah en fait, je construis aussi cette maison pour laisser quelque chose à la famille ou, » ou c'est venu... Non, au départ, non. Parce que au départ, je ne savais pas comment j'allais développer les hébergements que j'ai là actuellement. Mais quand on l'a commencé, c'est un peu un engrenage. Je me suis pris là-dedans, j'aménage quelque chose, j'ai encore de la place là, pourquoi pas faire aussi ici. Puis après, encore là. Et puis et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand je suis arrivé, que j'ai acheté la maison, j'étais loin de penser que j'allais faire tout ce que j'ai fait dedans, quoi, en fait. Et là, tu estimes qu'il y a encore de la place pour faire quelque chose, même si toi, tu as dit que tu voulais pas forcément faire quelque chose d'autre, mais tu crois qu'il y a de la place. En niveau hébergement, faut pas non plus qu'il y ait trop de capacité. Après, ça devient un centre de vacances, quoi. Pour recevoir des gens, des groupes, ça peut être intéressant, quoi. Tu crois par exemple qu'il y aurait la place pour faire une salle de travail ? Une salle de travail, au début, quand ma pièce à moi, là, j'avais un peu prévu ça, de faire une salle assez grande pour recevoir des gens dans cette salle et puis faire une salle pour faire des soirées, des choses comme ça. Et puis après, je me dis, si j'aménage encore pour les autres, j'aurai encore rien pour moi. Mmh. C'est comme ça que je me suis mis à continuer à faire cet espace-là pour moi. Que finalement, on est bien là, de ce côté-là, du bâtiment, quoi, en fait. On continue un petit peu ? Allez. Bon, si vous voulez tuer. Bon, on passe par l'escalier du confinement quand même. C'est quoi l'escalier du confinement ? Pourquoi ? Parce que je l'ai construit pendant le confinement l'année dernière, pendant qu'on était enfermés. Donc ça, c'est ton espace à toi ? Ouais. Et c'était aussi, quand on est venu te voir il y a 2 ans, tu disais que c'était sans doute le dernier espace que tu construirais dans cette maison. Est-ce que c'est toujours le cas ? Ah oui, pour moi, oui, c'est bon, j'en ai assez. Je vais passer à une autre étape maintenant, c'est définition, des petites choses comme ça. Mais les gros travaux, là, c'est fait. C'est donné quand même maintenant. Tu n'as plus envie ou c'est trop compliqué ou...
Mais en fait, plus il y a des aménagements de fait, plus il y a de l'entretien à faire après. Hein. Donc, que ce soit le ménage et tout, puis autre chose. Hein, donc, il arrive un moment, ça suffit quoi. Pour moi, hein, tant que c'est moi qui gère l'espace, hein, après. Après, on verra plus tard. Et toi qui disais que tu rêvais les choses dans ta tête, tu disais, ah bah, je fais les plans dans ma tête et après, bah, je les applique, mes plans. Tu as dessiné un plan de ça ou tu l'as dans ta tête? Il l'a dans ma tête. Et ça ressemble à ce que tu t'imaginais du coup? Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. C'est exactement comme tu l'avais prévu. Exactement. À quelques petits détails près, parce que... l'espace... Quand j'ai dessiné un plan à Malvais de l'installation électrique, là, avant que je cloisonne l'intérieur, un dessin sur un papier, et j'avais prévu le sèche-serviette ici, alors que je me rends compte que c'est un peu très serré et que j'ai une place qui est vraiment bien. C'est des petits détails, ça c'est rien, mais tout le reste, c'était exactement ce que j'avais dessiné dans ma tête en fait. Le fait que ça soit fini, cette pièce-là, ouais. Ça te fait quoi? Moi par exemple, tu vois... Le fait que ça soit fini, ça veut aussi dire que le documentaire, il va finir. Oui. Et ouais. Parce qu'on s'était dit que qu'on finirait ce travail ensemble quand tu aurais fini la dernière pièce de ta maison. Voilà. Donc moi, par exemple, ça me rend un peu triste. Ah bon? Toi, ça te fait quoi? Dans la vie, il ne faut jamais dire où on a fini quelque chose. Parce que quand on a fini quelque chose, il y a autre chose derrière qui va venir. Pour l'instant, peut-être, je ne sais pas encore, mais il y aura, tant que j'ai ma santé qui me le permet, il y aura bien des choses qui vont encore changer dans la maison. La construction de grosses œuvres, ça va rester comme ça, mais les aménagements, je vais toujours les modifier, en fait. Hein, donc, c'est pas fini? Non, c'est jamais fini. Il y a une chose que j'avais dit il y a longtemps, quand il y a des gens qui me posent des questions, ouais, ben, tu peux pas profiter de ta retraite pour aller chercher ton pain le matin et puis promener le chien, que j'ai pas d'ailleurs, mais et puis buller à la maison. Mais non, hein, moi c'est pas mon truc. Et je leur répondais toujours, peut-être que je serai mort avant d'avoir fini mes travaux, mais c'est pas gênant. Voilà. Ah oui, il est plein ton café, là, lui. Et du coup, tu aurais quelque chose à dire à Roland qui avait notre âge, où tu nous disais, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait une interview de toi où on t'avait demandé si à notre âge tu avais des rêves particuliers qui t'animaient pour ta vie à venir, et tu nous disais, bah, le rêve que j'avais, c'était de construire ma maison. Ouais. Et je me demande aujourd'hui, maintenant que tu as construit ta maison, si, si tu croisais le Roland de 25, 28 ans, ouais. Si tu avais quelque chose à, si tu aurais quelque chose à lui dire, ou si tu... C'est une suite logique, parce que donc, à ces moments-là, dans l'âge dont tu parles, j'avais un projet, c'était de construire une maison que j'ai construite là où j'habitais avant. Mais cette maison, quand je l'ai construite, je n'ai pas construit entièrement parce que j'avais fait faire le gros œuvre, et elle était couverte quand j'ai commencé les travaux à l'intérieur. Mais cette maison, je l'avais surtout construite pour élever la famille, quoi, en fait. Mais sans avoir un objectif sur ma retraite, en disant je vais passer ma retraite là-bas. Mais l'idée de partir en retraite ailleurs, je l'ai eue j'avais 40 ans. Donc
Ça fait 35 ans en fait, hein, que cette idée, elle est dans ma tête, hein, où je me disais, j'ai un travail quand même stable là-bas, je ne vais pas partir avant ma retraite, mais dès que j'ai la retraite, si je peux m'en aller et aller en Savoie, dans les pays de Savoie, je le fais. Et puis, je n'ai absolument jamais regretté parce que c'est vivre à l'année ici, je me l'imaginais déjà dans ma tête, c'est exactement comme les plans de la maison. J'imaginais déjà comment ça allait, les saisons et tout, comment elles allaient se passer ici, quoi. Et c'est exactement comme ça, quoi, en fait. Hein. Bon, l'image, hein, les gars. Ouais. Oh, oui, mais moi, ça va, j'ai le droit. J'ai donné l'autorisation. Il va tirer la boule blanche. Et il va taper dedans. Et en fait, le premier qui fait rentrer une boule, c'est la couleur après qu'il doit travailler. C'est-à-dire que si je tape et qu'il y a une rouge qui rentre, je suis les rouges. Ah oui. Et toi, tu es donc les jaunes. Mmh. Et si inversement, toi, tu tapes et tu as la rouge, tu es la rouge, etc. Qui c'est qui a gagné du coup, Dada? Eh, qui a gagné? C'est moi parce qu'il a fait rentrer la boule noire. Bon, voilà. On va y aller. C'est comme le PSG. Bon, voilà, alors on commence par... Bah, j'ai mis deux photos que tu m'as données juste derrière. Je te propose d'en prendre une et de nous la décrire. Les photos, ouais, bah, si on veut, on peut commencer par... C'est la moins ancienne, celle-là. Mais ça date quand même de... on va dire... 20, plus de 20 ans, hein, 25 ans. Hein, c'était un anniversaire de mes parents, ça devait être, je sais plus, c'était 50 ans de, je crois que ça doit être 50 ans de mariage en fait. On avait fait une fête, pour eux. Donc là, à l'époque, on était quand même tous les garçons, plus les parents. Et maintenant, on n'est plus que deux, hein, finalement, il en reste deux. Et parce que, bon, mes parents, ils sont décédés, mais là, ils auraient... s'ils étaient encore là, ils auraient 103 ans. Donc, par contre, j'ai deux frères qui sont... C'est celui-là et celui-là, qui sont décédés. Donc voilà, c'est la vie qui est comme ça, quoi. En fait, ils ont eu un cancer. Et donc, on est plus que deux. Et moi, je suis là, et puis mon frère Jean-Luc, qui est là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton papa? Il était comment? Comment il était? Comment tu décrirais ton père? Mon père, c'était quelqu'un de très passionné de plein de choses, en fait. C'est pour ça que moi je suis comme ça aussi. Hein, et était passionné d'histoire, de tout ce qui est. À l'époque où ils étaient en activité, il y avait passionné déjà d'écologie, on n'en parlait pas à ce moment-là, mais respect de la nature. Et en plus, il était aussi très impliqué dans la commune où il habitait, parce que hein, il a été conseiller municipal pendant beaucoup d'années, même adjoint au maire.
hein, été premier adjoint au maire pendant très longtemps, et également responsable, on va dire chef des sapeurs-pompiers. Hein, là, cette photo-là, elle est très ancienne. Et finalement, là, c'était ici, les pompiers, là, c'est, qu'il y a là. Mon père est ici. Peut-être qu'on arrive à le reconnaître. Hein, donc, c'était lui, le chef des sapeurs-pompiers de la commune. Et tous les autres, c'était des habitants du village, en fait, hein, qui étaient cultivateurs ou employés agricoles, parce qu'à l'époque, cette photo, elle doit dater de... Il n'y a pas de date, non. Mais, hein, elle a au moins 50 ans, cette photo, au moins. Hein, et donc, j'ai regardé hier, là, parce que je ne regarde pas trop souvent... Là, et en fait, moi je les connais, je les connais tous. J'étais... Quand ça a été pris en photo, moi j'étais encore gamin. Hein, donc, Et ta maman, ta mère, elle était comment? Ma mère, elle a toujours été élevée, elle a été élevée dans le travail, tout le temps. Et elle pensait qu'à ça. Les loisirs pour elle, c'était pas utile. C'était même, il fallait pas s'amuser. Il fallait pas avoir de loisirs. Il fallait pas aller se promener parce que pourquoi aller se promener alors qu'il y a encore du travail à faire à la maison. Et c'était ça quoi en fait. Mais bon, moi je n'en ai pas voulu. Hein, mais quand j'étais en retraite, je me suis retrouvé en retraite. Et lorsque j'étais allé la voir, j'étais un petit peu chez elle les derniers mois avant d'arriver ici en Savoie. Et elle trouvait bizarre que j'ai ma retraite et que je ne travaille plus. Et alors elle me disait, tu vas bien te retrouver un autre travail. J'ai dit non, puisque j'ai la retraite. Elle m'a dit, oui, mais si tu trouves un autre travail, tu vas gagner de l'argent que tu pourras placer à la banque. Parce que selon elle, c'était toujours... il fallait économiser, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il fallait quand même économiser pour le mettre à la banque. En fait. C'était son... Au cas où on en ait besoin. Et elle s'est arrêtée de travailler à un moment, ta maman? À la fin... quand on vieillit, on est moins actif, hein, mais elle était dans sa maison, et puis elle faisait sa petite vie, son jardin quand elle a pu le faire, quand elle pouvait le faire, et puis sa cuisine, et puis tout ça, quoi. La couture, parce qu'elle aimait beaucoup la couture. C'est une femme qui a toujours vécu à la maison, en fait. Et donc les loisirs pour elle, c'était, hein, c'était pas utile. C'était, hein, le sport, se fatiguer pour faire du sport. Hein, alors qu'il faut, quand on se fatigue, c'est quand on travaille, quoi. Mais elle a été élevée comme ça toute sa vie, puis... c'est pour ça que moi je n'en veux pas pour ça, parce qu'elle était conditionnée comme ça. Alors que mon père, quand il a eu la retraite, il avait envie d'aller se promener, de faire des choses comme ça. Alors bien souvent, il disait, oh ben, vas-y toi, tu aimes ça, moi je préfère rester à la maison, il disait toujours. Alors qu'est-ce que tu as appris de Céleste? J'ai appris, quand j'étais gamin, on ne la côtoyait pas beaucoup parce qu'il y avait ma grand-mère qui était à la maison, qui était veuve de guerre. Mais ma grand-mère était veuve de la guerre de 14-18 en fait. Et elle a élevé toute seule 6 enfants à la campagne.
Et après, quand les enfants ont grandi, ils sont partis, et elle est restée avec ma mère jusqu'à la fin de ses jours. Et nous, quand on, dans notre enfance, quand on était gamin, la grand-mère, c'est elle qui nous préparait pour qu'on parte à l'école. Quand on revenait, elle nous faisait faire nos devoirs de l'école. Et elle s'occupait, c'était plus la grand-mère qui s'occupait de nous. Mais on allait, nous tous les... Ben, j'ai plus que mon frère maintenant qui pourrait le dire, mais on a été en adoration pour notre grand-mère finalement. Ouais. Parce qu'en plus, elle nous racontait des histoires, nous chantait des chansons. Alors que mes parents, je ne les ai jamais entendus chanter, comme moi peut-être aussi. Et de ton papa? Qu'est-ce que tu as pris de ton papa? Oh, ben, il nous a quand même appris la vie jusqu'à l'âge de 14 ans, parce que on était à l'école primaire jusqu'à 14 ans, et après on partait en apprentissage pour faire un CAP. À l'époque, à 14 ans, on quittait la maison en fait. Et on allait en pension ou chez les patrons qui avaient un hébergement pour nous héberger, en apprentissage. Donc on avait des apprentissages pour les CAP de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on passait notre CAP, quoi, en fait. Et ça ressemblait à quoi d'être jeune en 1950? En 1950, bon, j'étais encore à l'école primaire. Mmh. Disons, moi, j'ai commencé l'apprentissage en 1960. Mmh. Et être jeune à cette époque-là, on n'avait pas de télé, pas d'internet. Enfin, on était loin d'ailleurs. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien du tout ça. Mais on avait une vie qui était peut-être moins compliquée que celle de maintenant, finalement. Parce que c'était une vie plus simple. On allait travailler en vélo, après on avait une mobylette. C'était... la vie à la campagne, quand j'étais gamin, avec mes frères, et puis d'autres enfants du village, en fait. On était des enfants qui vivaient dans la nature. Les jours où on n'avait pas d'école, le dimanche ou les jours fériés, on n'était jamais enfermés dans la maison. Même en plein hiver, on ne craignait pas le froid, rien du tout, ni la pluie. On partait dans les bois, on construisait des cabanes dans les bois. Exactement comme les trappeurs qu'on voit dans les films. Sauf qu'on avait une vie dans une maison, quand même. Mais nos jouets, on les fabriquait nous-mêmes. Nos jouets et jeux, on les fabriquait nous-mêmes. Et on les fabriquait en copiant un peu ce que faisaient les adultes, à petite échelle. Tu te souviens d'un jouet que tu as fabriqué? Un exemple, à l'époque, j'avais vu une pelleteuse. C'était pas les celles de maintenant, qui creusaient des tranchées pour, encastrer des tuyaux d'eau, des choses comme ça. Et bien, à la maison, j'en ai fabriqué une. Une petite. Ton jouet, c'était une pelleteuse. C'était ça. Ouais. Et on avait un tas de sable, je m'amusais à creuser dans le sable avec. Mais une machine qui faisait 2 mètres de hauteur, quand même, c'était pas une petite. Que je manœuvrais avec des manivelles et puis des poulies. Et
t'étais déjà destiné à vivre ta vie avec les machines, quoi. J'ai toujours aimé, tout le temps. Allez, je vais. Tu veux que j'essaye? T'appuies dessus. Ouais, plus, ouais. Parce que dès qu'il touche, ça va le... Ça va le... ça sert à rien de vraiment taper fort, ouais. Parce que c'est que faut qu'il touche au tamis. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il sent le truc. Un grand mamou, un petit mamou, là-bas dans l'Anse-Bas. Allez, cousin, moi, tout de suite, la fête est quasi. Allez, à la fin, la fin de la porte, avec tout un lycée. Et ouvre la porte et sonne ici, moi, je t'attends de Patrick, ton moulin il est cassé. C'est chaud là. Il y a 5 ans, j'ai voulu te filmer. Sans trop savoir pourquoi, de manière compulsive, j'ai pris mon appareil photo et je t'ai filmé. Je n'avais ni plan d'attaque, ni projet spécifique autre que de t'immortaliser toi et ton travail, parce que ton travail, c'est tout ce que j'avais toujours su de toi. Tu es un homme, tu ne parles pas de tes émotions, de tes sentiments, mais sans doute ce jour-là, je me suis aperçu que dans les matières que tu travaillais, le bois, la pierre, les métaux, et dans la forme que tu donnais à cette maison que tu construisais pour nous, sans doute dans tout ça, tu parlais. Tu laissais un message qu'il fallait savoir décrypter. Tu parlais de toi. Cette maison, c'était toi. Alors comme j'ai grandi dans tes pattes, comme je t'ai appelé Dada, comme pour pallier à un papa manquant, j'ai commencé à vouloir te raconter pour me construire. Je ne savais ni vraiment filmer, écrire ou monter, mais j'ai décidé de faire à ta rencontre et avec le soutien précieux de Mohamed, des objets filmiques d'apprentissage. Toi, qui avais appris beaucoup de choses sur le tas, j'allais à ton contact apprendre, moi aussi, sur le tas. Ce film raconte ça, notre rencontre à tous les trois, un apprentissage dans ses ratés et ses hasards. Ce film nous raconte. Il est pour toi, Dada. L'aventure est finie, mais Dada, c'était aussi ça. Wouh ! Alors, c'est pas mal. On a fait un petit 300 mètres avec 300 mètres de dénivelé en moins de 4 secondes 20. Donc je peux dire qu'en montagne, on est quand même pas mal. Ah oui, studio. J'entends pas du tout la même chanson. Et Dada. Et Dada, qui traîne comme à chaque fois. Oh, il est serein.
Allez, pose ta pierre. Oh, elle est difficile, frère. Je vais vous dire ce qu'il me reste à faire. Toute la crête, là. Et ça. Romain ? Oui. Pourquoi on fait rien ? Parce que Dada, il dort. S'endormi. Et on devait faire quoi ? On devait faire une interview un peu intime, perso et tout. Et j'ai joué ça à la guitare. Il s'est endormi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Bon, ça va, on profite de la montagne. Oui. C'est du boulot. Heureusement qu'il est pas payé. Et moi non plus. Et ça ? Si t'étais un animal, tu serais quoi ? Si j'étais un animal. Si j'étais un animal, ah, voilà. C'est vrai que c'est pas très évident. Je sais pas. Tu t'imaginerais comment ? Si tu crois à la réincarnation. Il y a un alpiniste qui est décédé, malheureusement. Tous les grands alpinistes, ils sont morts en montagne. C'était un Suisse qui avait fait l'Everest et tout ça. Une fois, il a été interviewé dans un reportage que j'avais regardé. Et puis, le reporter lui posait des questions, comme tu fais. Ouais. Et puis, à un moment donné, il y avait les oiseaux, les corbeaux qui passaient. Puis, ils ont filmé, regardé. Hein? Le reporter lui dit, tu te verrais réincarner un oiseau quand tu ne seras plus là? Il dit, oh ben... Pourquoi pas ? Je dis, c'est pas. Je me suis pas jamais posé la question, mais pourquoi pas ? Ok. Ça va. Et puis ça. Ok. En montagne, quand il y a le soleil, il faut prendre le viseur parce que là on voit rien. Ah ouais. Ah oui, tu mets avec le viseur. Ouais. Tu veux dire que tu mets ta tête dans le... Ouais, il y a un truc, ouais. Il faut juste il y a le viseur derrière, ouais. C'est vraiment bien. Mais okay. Si vous en servez, il faudra le régler parce que je l'ai réglé à ma vue, moi. Oui, oui. Ouais, c'est bien aussi. Ah oui, il est réglable. Ah. Mais aussi ça. Ça. Et enfin, ça. C'est bon, ça tourne. Ah, c'est bon ? Ouais. Je suis dedans ? Ouais, non. Ah. Là ? Non. Là ? Encore. Ok, tu y es.